Hello. Y a quelqu'un? Pierre, peut-être? Salut, Oui. salut. Salut. Désolé, j'ai vu que ton prénom était Pierre, donc je ne sais pas si tu es le speaker qui est Si, censé. c'est ça. Ok. J'ai pas vu ton nom de famille dessus, donc. Pas de souci. Puis moi, je pouvais pas me démute. Il y avait. Oui, c'est moi qui, par défaut, je mute tout le Et monde. tu fais bien. Ouais. Donc, enchanté, Smaïn. Eh ben, Enfin, enchanté. moi, en fait, j'accompagne Stan. On est dans le même groupe d'organisation pour la SNCF Paris. Et Cool. il va prendre un peu de retard. Donc, moi, je vais un peu animer le début. Enfin, animer, je vais juste présenter Ouais, la situation. faire patienter quoi. Voilà, une petite introduction très rapide. Cool. Donc comment ça va se passer? J'ai vu un peu le planning. Toi, tu interviens en second. Le premier, ce sera Jaffa pendant 25 minutes pour Red Hat. Ok, cool. Exact. J'ai mes slides. Est-ce que tu veux que je les envoie quelque part ou est-ce que je partage mon écran? Tu partageras ton écran. Ok. Et donc, ouais, je mute tout le monde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire quelque. Je ne sais pas si Stan t'en a parlé, mais ce qui serait cool, c'est qu'à quelques intervalles, genre toutes les 10 minutes, tu checkes le chat pour voir s'il y a des questions. Ok. Et on va quand même vraiment solliciter les gens pour qu'ils On va essayer interviennent quand ils veulent, de manière interactive. si possible. C'est une bonne idée parce qu'effectivement, tout ce qui est à distance, ça manque un peu d'interactivité. Je suis d'accord. Ouais, c'est clair. Je ne sais pas si tu as fait la KubeCon. Exact. Ça change un peu. Je sais pas si tu en avais fait précédemment en live, mais Non, pas de KubeCon. ouais, ça change beaucoup, quoi. C'est moins vivant. Ouais, c'est clair. Mais bon, on va essayer de faire ça bien quand même. Oui, tranquille. C'est bon enfant de toute façon. Pas de souci. Je vais laisser les gens arriver. Et je pense que de toute façon, c'est censé commencer à 45. Oui, tout à fait. Je suis venu un peu en avance justement pour voir s'il y avait du monde. On les laissera rentrer vers 50, à peu près, histoire de. Ok. Et je vais enregistrer, normalement, je peux enregistrer la vidéo. Voilà. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas. Juste pour être sûr, on est d'accord qu'on est sur du français. On est aussi d'accord que enfin, que j'ai pas vraiment de temps limité, mais que ça se termine à 17h45, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement. Je regardais les horaires, attends, excuse-moi, parce que 7h45, exactement. Ouais, je pense qu'on a du temps. Ouais. Ça serait cool qu'il y ait de l'interaction parce c'est toujours mieux. T'as de la démo ou pas, toi? J'ai pas de démo, non, pas de live démo. La dernière démo que j'ai faite, ça s'est pas bien passé. Du coup, j'ai pas Ok. retravaillé, j'ai pas eu le temps. Ouais, pas de problème. La live démo, c'est toujours compliqué. Mais Ouais. t'as des vidéos, non, même pas. Enfin, Non, j'ai juste des slides. Mais après, voilà. Je pourrais de toute façon, après la présentation, faire une petite démo s'il y a des gens qui le demandent. J'improviserai ça. Mais... J'ai accepté Horatio. Attends, je regarde juste. Horatio, c'est bien quelqu'un de chez toi. Exact. Ok, je l'ai accepté. Trois participants, Horacio est là. Bonjour Horatio, je ne sais pas si tu m'entends. Bonjour, Gatantan. Ouais. Ah, Salut. très bien. Enchanté, Smaïn. Enchanté. Donc tu disais, Pierre, qu'il y aurait une autre personne qui arrive, c'est ça? Non, je ne sais plus ce que je disais. Je disais que ça serait bien qu'à la fin de notre talk, on active les micros, peut-être des gens, pour qu'ils puissent poser des questions live. Oui, très bien, on fera ça. Tu as raison, ça peut être pas mal. Parce que par écrit, ça va manquer un peu, peut-être un peu d'interaction, quoi. Attends, je check si je peux unmute all. Je vais regarder une seconde. Après, ça sera en 36, donc je sais pas, on peut faire un essai, mais il risque d'avoir le chien et le chat de tout le monde qui aboiera Ouais, en même temps. c'est vrai. C'est Donc, toujours compliqué, ça. Je vais regarder. Mais je pense qu'ils peuvent demander à ouais, intervenir. normalement, tu peux lever la main. Est-ce que tu me vois lever la main? Oui, très bien, très bien. Comment tu Voilà. fais ça d'ailleurs? Que je puisse leur. J'ai ouvert la liste des participants et du coup, sous les participants, j'ai invité me mettre en sourdine ou lever la main. Ok, très bien. Je vais les informer s'ils veulent parler, de le bien lever la main. Ok, parfait. Tu l'as vu? Moi, j'ai tous les participants. Any meeting.
message, admit all. Ask to mute more. Moi, j'ai trop d'options, c'est pour ça. make host, rename, non. Comment je peux lever la main? Peut-être que moi, je peux pas lever la main. Ah, c'est possible, ça. Je suis host. Ce serait dommage, mais c'est possible. Mm. Je te fais un screenshot. Ça me fait plaisir. Cool. Je regarde juste s'il y a l'autre Jafar qui est là. Non, pas encore. Alors toi, tu bosses dans quelle boîte? Moi, je suis chez Dailymotion. Je m'occupe de la plateforme Kubernetes, pour faire simple. Je suis arrivé chez Dailymotion pour monter la plateforme Kubernetes géodistribuée, hybride, tout ça. Cool. Chez quel provider, du coup? Est-ce que vous hébergez votre propre data center? Ouais, en grande partie, on est à 80% dans nos propres data centers et le reste sur GCP. Ok. Tant mieux pour vous. Ouais. Je vais envoyer le lien du screenshot. Cool. Ah oui, très bien. Très bien. Merci. Bah, pas de souci. Il y a Jafar, attends, je vais l'inviter. Et je vais l'unmute. Salut Jafar, tu nous entends? Salut. Salut. Alors pour info, je vois pas son micro à côté, donc j'imagine qu'il n'a pas activé le son. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre. On voit pas de. On t'entend pas, Jafar, si tu nous entends. Tu peux rejoindre la réunion avec ton téléphone. Ah, je vois un micro. Micro qui est coupé. Là, je mets Ask to Mute. Attends. Bonjour tout le monde, c'est Jafar Chalmi de Red Hat. Bonjour. Eh ben, salut. Salut, Jafar. Donc, Smaïm. Pardon. Enchanté. Donc j'introduis un peu le groupe de Meetup. Moi, ça va être très rapide. D'accord. Je vais prendre 5 minutes au début. Et puis après, ce sera à ton tour, Jafar. Je pense que tu vas pouvoir partager ton écran. D'accord. Attends, Je vais quand même faire on peut faire le test de partage rapidement pour s'assurer que ça fonctionne. Carrément, attends, je check juste parce que peut-être que tu n'as pas les droits encore. Je vais checker. Moi, d'accord. Je dois vous laisser pendant 5 minutes, je reviens tout de suite. Ok, pas de souci. Je confirme que l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Après, est-ce que je peux activer pour une personne? Bon, c'est pas grave, je vais l'activer pour tout le monde, c'est pas trop grave. De toute façon, il n'y aura qu'une personne qui pourra le faire. Alors, just a moment. Vous voyez ma caméra ou pas? Non. Non, non, c'est désactivé. Ah, d'accord. C'est vous qui l'avez désactivé. Je vais l'activer tout de suite. C'est comme vous voulez, mais il n'y a pas de... Non, non, il faudrait le faire. Vas-y, tu peux. Moi, j'espère que tu as mis une chemise. Hein. j'ai mis un beau t-shirt Red Hat. Ah. donc, je partage l'écran, c'est bon? Ouais, tu peux. D'ailleurs, je vais peut-être vidéo aussi. Ok, c'est parti. Donc, là, on voit ton écran. Ça fonctionne. Super. Nickel. Parfait. Alors, il faut juste pouvoir se débarrasser de tout ça. Le petit onglet openshift.com, c'est bien, tu fais de la pub. C'est bon en plein écran? Ouais, c'est bon en plein écran. Ok, super. Bon, ben, j'arrête le partage. Du coup, moi, je vais faire pareil, histoire que je sois sûr. Paf, vous êtes en train de partager. Ah ouais, c'est le bordel. Pouf. Vous voyez des trucs normalement défiler. Oui. Ouais, super. Parfait. Bon, bah voilà, merci.
Est-ce que vous m'entendez? Smain, tu es mute. Je ne sais même pas si... Non, moi aussi, je suis mute. Non, mais effectivement, ah, tu n'es pas mute. Tu n'es pas mute, j'étais mute, mais c'était moi qui étais mute, je parlais tout seul, désolé. Ah, ok, c'est bon. Donc, tu as prévu mon temps. Salut Horacio. Il s'est absenté. Ah, je ne sais pas s'il dit bonjour. Salut Pierre, salut Jaffar. Donc Jean-Christophe fait partie du groupe d'organisation. Je mets la vidéo, voilà. Ouais. Et je vais me déplacer, en fait. Je vais aller dans mon bureau. Avec salut Horacio. À défaut de Devox, tu vois, on se croise quand même. Hop. Et hop. J'espère que je suis logué. En fait, je me suis rendu compte que c'était super compliqué de. Parce que j'utilise Zoom pour le boulot et je suis déjà authentifié avec Google. Et en fait, c'est une vraie galère de s'authentifier avec un autre compte Google sur le Zoom. D'accord. C'est vrai que moi, j'utilise mon compte Dailymotion. Je le verrai peut-être pas. Est-ce que j'ai un. Tiens. Est-ce que je peux trouver un fond d'écran virtuel CNCF? Ah, je t'entends plus, Smain, t'es mieux encore. Non, je disais, c'était dégueu, ah. Mon fond virtuel était pourri. Ah, c'est. Je vais en trouver un. Oh, je vais laisser ça comme ça. Ah, celui-là, ouais, j'aimerais en avoir plus grand. J'aimerais en avoir un grand. Je crois qu'on m'en avait filé, justement, pour la CubeCon. Ah j'essaierai ouais de te retrouver ça. Ah, j'essaierai de te retrouver ça. Là, je vends. Grandes images. Je pourrais mettre le landscape en fond d'écran. Je vais attendre 3 minutes et puis on va ouvrir. Ouais. Ou alors. Horacio, tu interviens? Ok. C'est bien Shraibi, Jafar. Ok. C'est juste, je ne veux pas écorcher ton nom, tu vois. Tu veux gérer l'introduction très rapide? J'allais la faire de toute façon. Vas-y, parce que je suis absolument pas prêt. Moi non plus, mais ça va aller. Je suis désolé, en fait, je viens de sortir d'une autre réunion là. Il n'y a vraiment pas de problème. Ça va me prendre 20 secondes. Tu peux rappeler peut-être qu'on passe à qu'on va changer de plateforme bientôt. Très bonne idée, j'ai pas pensé, tu vois.
Mince, en fait, il aurait fallu. Ah, putain, s'il avait eu le temps. N'hésite pas à intervenir, j'essaie. Ouais, non, non, mais je me suis dit que, en fait, si j'avais eu le temps, je me serais fait un background avec les logos des sponsors, enfin, des stickers. Quoi. Ouais, c'est vrai. Mais... Des partenaires. Et... Ouais, ouais, ouais. C'est un truc qu'on pourrait faire. Bon, on va faire simple. J'ouvre dans une minute. Fait. Ouais, parfait ça. Fais-moi penser à enregistrer là. Je vais te mettre en co-host. Ah oui, je veux bien. Ouais. Tu me diras si tu peux faire qu'est-ce que tu peux faire en co-host, mais normalement tu peux tout faire. Clone native. Ouais. t'es en plein milieu de. Ouais, je sais, mais bon. Faudra prévoir des trucs, c'est avec les logos là, en fait. Ouais. Mais écoute, je ferai ça pour la prochaine fois. Alors, c'est bon, tu m'as. Tu ouais, m'as c'est bon. Bah, j'ouvre si tout le monde est d'accord. Bon, je vais me mute alors. Yes. Let's go. Bonjour à tous. Vous n'allez pas pouvoir me répondre, vous êtes tous en mute. Mais bienvenue à ce Meetup CNCF Paris de la rentrée. D'ailleurs, on en profite pour vous souhaiter une bonne rentrée. J'espère que tout s'est bien passé cet été. Alors, dans les situations particulières d'ailleurs qu'on vit tous. Moi, c'est Smaïn Kalou. Je fais partie du groupe CNCF Paris, donc l'association... loi 1905 à but non lucratif. On s'occupe de l'organisation des meet-up. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui viennent assez régulièrement à nos meet-up avant le Covid, qui était plus physique et c'était super sympa. Mais on va essayer de garder quand même cette convivialité et au moins avoir ce groupe soudé. Je vais faire très court. On va avoir deux intervenants aujourd'hui. On va avoir Jaafar Shraibi de Red Hat et Pierre Perronnet de OVH qui vont nous parler d'opérateurs. Je vais leur laisser la parole, mais avant cela, je vais quand même juste vous informer que on va changer de plateforme à la demande de la CNCF. On va passer sur la plateforme officielle de la CNCF qui, on vous l'a communiqué normalement lors de la dernière notification, mais on va recommuniquer. Toujours est-il que ça va être, d'ici 2021, on va être sur la plateforme communautaire de la CNCF. Donc n'hésitez pas, parce qu'on est nombreux sur meetup.com et il faudrait que vous nous rejoigniez sur la plateforme de la CNCF. Voilà, je vous remercie, je laisse la parole à Jaafar. Parfait, ben merci beaucoup Smaïn. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Jaafar Shraibi, je travaille chez Red Hat. Et ça fait depuis la première version de Kubernetes que je travaille dans ce domaine. Et je suis ravi aujourd'hui de vous parler des opérateurs. Donc, je remercie l'antenne CNCF Paris de nous donner l'occasion de faire ce talk avec OVH. Je vais partager mon écran et... On va espérer que tout fonctionne correctement. OK. Alors, est-ce que vous voyez l'écran? Vous me dites si c'est bon? Yes, c'est good. OK, parfait. Donc, comme je le disais, je travaille chez Red Hat. Donc, j'occupe la fonction de Technical Marketing Manager sur OpenShift essentiellement. Donc, ça veut dire que j'ai pour rôle d'évangéliser un petit peu...
d'écrire des blogs techniques, de faire des vidéos, de construire des démos autour de Kubernetes et d'OpenShift. Et donc, je m'intéresse aussi bien aux aspects liés au développement qu'aux aspects ops liés à Kubernetes. Excuse-moi, Jaffar, je peux t'interrompre 2 secondes et je suis vraiment désolé. Il y a une information qui est importante que je dois transmettre, c'est que pendant toute la durée de la présentation, ce serait vraiment cool que vous interveniez. Si vous avez la moindre question, vous la posez sur le chat. Je pense que Jaffar pourra prendre quelques minutes pendant sa présentation pour y répondre. Mais n'hésitez pas à intervenir immédiatement. Ne pas attendre la fin. Exactement. Alors, Smaïn, du coup, si je peux te demander un petit service, c'est de monitorer le chat. Yes. Parce que ça sera difficile pour moi de voir les messages. Okay. Et si tu vois qu'il y a des questions, n'hésite pas à m'interrompre pour poser la question, que tout le monde puisse en profiter. Et évidemment, j'essaierai de répondre aux questions au fil de l'eau. OK. Écoutez, on va parler, comme je vous disais, il y a eu énormément d'évolutions dans l'écosystème Kubernetes depuis sa création. Et parmi ces sujets, il y a la notion d'opérateur qui connaît une explosion depuis quelques temps, mais qui en réalité remonte à 2016, il me semble. Et donc, c'était quelque chose qui avait été initié par CoreOS, qui était donc des contributeurs à Kubernetes, et dont l'objectif était finalement de simplifier la consommation de différentes solutions dans un écosystème Kubernetes en apportant, on va dire, la simplicité du cloud. Donc là, évidemment, vous reconnaissez tous ce landscape. Donc, le casse-tête auquel il fallait répondre, c'était de se dire comment est-ce qu'on va faire en sorte que l'expérience d'installation, d'administration, de mise à jour de toutes ces solutions-là sur des plateformes Kubernetes soit la plus simple et la plus industrielle, donc automatisée possible. Et donc finalement, a été créé ce concept de Kubernetes Operator. Donc un opérateur en anglais, ça veut évidemment dire un exploitant. Donc là, c'est une analogie en essayant d'encapsuler le savoir-faire humain dans quelque chose d'automatisé qui va accompagner les solutions qui tournent dans les conteneurs pour pouvoir justement fournir tous ces niveaux d'automatisation pour simplifier l'installation, la mise à jour, le maintien en conditions opérationnelles des solutions, y compris stateful. Par exemple, une base de données clusterisée dont un des nœuds tombe, il ne suffit pas qu'il y ait un nouveau pod qui démarre pour qu'on retrouve les fonctionnalités. Il faut qu'il y ait tout un ensemble de mécanismes qu'un exploitant aurait traditionnellement déroulé à la main ou peut-être à travers des scripts. Là, l'idée, c'est de dire que le fournisseur de la solution va encoder ou encapsuler ses bonnes pratiques d'exploitation de sa solution directement au format conteneurisé et ça va tourner à côté de sa solution pour faire en sorte que le service reste opérationnel. Donc, on va évidemment aller dans un peu plus de détails pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, de manière un peu plus schématique, alors je ne sais pas si l'animation va fonctionner, on peut résumer ça comme étant on a un super exploitant qu'on met dans un conteneur afin de faire en sorte que le service soit toujours rendu et qu'il soit le plus simple à consommer. Donc, comment fonctionne un opérateur ? Donc, on aura l'occasion avec les gens d'OVH de voir un cas concret, donc un retour d'expérience sur l'implémentation de l'opérateur Arbor. Mais en introduction, je voulais quand même rappeler quelques concepts fondamentaux qui nous permettront de mieux peut-être aborder cette partie en voyant ce qui constitue finalement un opérateur. Donc, un opérateur va s'appuyer sur des concepts déjà existants dans Kubernetes et va apporter un ensemble d'extensions pour pouvoir justement apporter ces automatisations et ce savoir-faire spécifique à la solution contrôlée par l'opérateur. Donc, ces différents concepts sur lesquels on va s'appuyer sont la notion de ressources, la notion de contrôleur et la notion de savoir-faire spécifique à la solution. Donc, les ressources, qu'est-ce que c'est ?
c'est une API, c'est un endpoint qui est managé au sein de l'API Kubernetes et qui permet de gérer des objets, entre guillemets, au sens Kubernetes. Un exemple, c'est la notion de pod. J'imagine que vous connaissez tous cette notion de pod. Ben, le pod, c'est une ressource. La notion de service, c'est une ressource. Et donc, pour pouvoir créer des opérateurs qui vont nous faciliter la vie, on va créer une notion de ressource customisée, donc ce qu'on appelle les custom resource definition. Et on va enrichir Kubernetes avec des nouveaux concepts qui n'existaient pas auparavant. Par exemple, je veux créer un objet qui va s'appeler MyDatabase. On va créer une custom resource definition qui va s'appeler MyDatabase et on pourra instancier des objets de type MyDatabase. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la notion de contrôleur. Le contrôleur a pour objectif de surveiller l'état des ressources désirées, donc l'état désiré des ressources qu'on va vouloir manipuler, donc soit les ressources natives Kubernetes, soit les custom ressources qu'on aurait créées. Et il a pour rôle justement de faire ce qu'on appelle la réconciliation entre l'état désiré et l'état réel. Un des exemples les plus fréquents que vous allez certainement connaître. Alors, j'ai l'impression que soit un slide a sauté, soit il est juste après. Voilà, donc c'est juste après. Donc, la notion de réplica set. Le réplica set, c'est, vous allez dire, par exemple, pour un pod, je souhaite avoir 3 réplicas. Et donc, lorsque vous allez modifier le nombre de réplicas, le contrôleur responsable des réplica sets va s'assurer qu'on ait autant de pods que de réplicas demandés. Donc, ça, c'est exactement un exemple de réconciliation. Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est que on va contrôler nos ressources Kubernetes via des descripteurs YAML. Le contrôleur va surveiller de manière fréquente l'état des ressources et comparer ça avec l'état réel et va appliquer la logique qui est implémentée dans l'opérateur de manière à atteindre l'état désiré. Et donc, voilà, la dernière composante, c'est justement cette notion de, on va dire, domain specific knowledge, c'est-à-dire que si on crée un opérateur qui va gérer un serveur d'application, il va falloir implémenter des notions qui sont liées à ce serveur. Par exemple, la notion de clustering, la notion de partage de session ou ce genre de choses. Si vous prenez un serveur Tomcat ou un serveur Java, J2E quelconque, il ne suffit pas de mettre 3 pods pour qu'il y ait de la réplication et qu'on soit en HA, par exemple. Si vous implémentez ça sous forme d'opérateur, cet encodage de la manière ou des mécanismes qui doivent être activés pour passer en HA, ça va être du ressort de cette composante-là qui est la logique propre à chacune des solutions. Et donc, par exemple, qu'est-ce qu'on va implémenter dans cette composante ? On va implémenter la manière dont on installe la solution. On va implémenter la manière dont elle s'auto-heal, c'est guérit. C'est comment on garantit la continuité de service, par exemple. Ou la rémédiation, voilà, c'est la notion d'auto-rémédiation. On va gérer les notions de scalabilité, comme j'en parlais avec l'exemple du serveur d'application. On va gérer la notion d'update. Si, par exemple, on passe d'une version à une nouvelle version et qu'il y a des modifications profondes à opérer, telles que des changements de schéma ou des choses comme ça, on va implémenter tout ça dans l'opérateur de manière à ce que ce soit transparent pour l'utilisateur final. Lui, il va simplement dire « je souhaite basculer vers telle version » ou « ça va se faire de manière automatique » et ça va être géré automatiquement par l'opérateur. Il y a aussi les notions de backup, restore, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est. On aura probablement quelques exemples lors du deuxième talk, lorsqu'ils vont parler de l'implémentation Arbor et donc de la logique qui aura été implémentée. Donc n'hésitez pas, s'il y a des questions tout au long de la présentation. Donc voilà, en synthèse, Première question, Jaffar, si tu veux. Oui. Il y a juste une première question. Bien sûr, oui. Alors, attends. Donc, il faut que j'aille sur le chat.
Est-ce que ça ne te dérange pas de me reformuler la question? En fait, c'est à savoir si toi, tu as des expériences sur un cas concret d'opérateur. Enfin, je reprends exactement la formule. Ouais, c'est ça. C'est si tu pourrais parler sur des opérateurs sur lesquels tu aurais travaillé. Alors, des opérateurs que moi-même, j'aurais implémenté. J'ai plus implémenté des opérateurs lorsqu'on déroule des workshops avec nos clients ou ce genre de choses. Des opérateurs avec lesquels je travaille, j'en parlerai juste après, enfin un peu plus tard dans la présentation. Donc, toute la plateforme OpenShift que on édite chez Red Hat est entièrement basée sur des opérateurs, donc qui vont gérer à la fois la notion de registrie, qui vont gérer la scalabilité des nœuds, qui vont gérer les mises à jour de la plateforme, qui vont gérer l'ingress, par exemple, les ingress contrôleurs, etc. Et donc, à ce titre-là, j'utilise tous ces opérateurs-là au quotidien quand je travaille avec ma plateforme. Donc, en synthèse, donc cette notion de, enfin, les différents éléments qu'on va utiliser, donc c'est cette notion de custom resource qui est finalement une extension de l'API Kubernetes. Et donc, on va créer ce qu'on appelle des kinds de ressources, où on va créer des objets qui vont s'appeler, par exemple, Production Ready Database. Donc, ça, c'est c'est une extension de l'API et on pourra instancier des objets donc ce qu'on appelle des custom resources qui vont être Production Ready Database qu'on va pouvoir manipuler comme étant des pods ou comme on manipule des pods ou des services, etc. en faisant un kubectl get Production Ready Database. Ça va nous donner la liste des objets qu'on manipule. Donc là, le fameux contrôleur dont on a parlé, plus les CRD qui disent voilà les champs qui sont utilisés, tout un tas d'éléments nécessaires au fonctionnement de l'opérateur. Et évidemment, tout ça fait en sorte qu'on va déployer nativement des ressources Kubernetes, telles que les déploiements, les stateful sets, les services, les ingress contrôleurs, etc., pour pouvoir avoir une application qui tourne et qui soit géré par l'opérateur. Donc, comme je vous disais, cette notion d'opérateur, elle a été introduite par les gens de CoreOS. CoreOS a été racheté par Red Hat il y a quelques années, il y a bien 3 ans, il me semble, maintenant. Et on a énormément investi au niveau de l'upstream, donc au niveau communautaire, pour faire en sorte que tout le monde puisse créer ses propres opérateurs. Donc, on a travaillé, alors je dis on, je parle beaucoup de Red Hat, mais l'objectif n'est pas de faire de la pub pour Red Hat, mais vraiment de parler de ces concepts-là. Il se trouve que c'est Red Hat effectivement qui a créé cet opérateur framework. Donc, c'est un framework qui a pour but de faciliter le développement d'opérateurs et qui est constitué de différents composants. Donc, il y a la notion d'opérateur SDK, donc un SDK qui permet de bootstrapper du code et de se focuser sur vraiment le côté opérationnel de la solution qu'on va vouloir implémenter. Il y a la notion d'opérateur lifecycle manager, donc ça c'est un deuxième composant qui permet de gérer le cycle de vie des opérateurs eux-mêmes, donc le fait de les mettre à disposition des utilisateurs d'un cluster, le fait de gérer tout ce qui est role-based access, le fait de gérer le versioning et les montées de version des opérateurs, etc. Un dernier élément qui est très important, c'est l'opérateur hub. Donc, si vous allez sur opérateurhub.io, c'est une marketplace qui a pour but de recenser des opérateurs, donc soit des opérateurs communautaires, soit des opérateurs certifiés par des fournisseurs tiers. Il y a une marketplace upstream qui s'appelle opérateurhub.io et il y a une marketplace, OpenShift. Qui est installé lorsque vous installez OpenShift et qui vous permet d'accéder à des opérateurs certifiés, etc. Donc, la bonne nouvelle, c'est que l'opérateur framework est désormais un projet en incubation à la CNCF. Et donc, on espère qu'il y aura encore plus d'adoption, de contribution avec d'autres projets communautaires, pour faire en sorte que la création des opérateurs soit encore plus simple. Jafar, je te coupe juste une petite seconde. Il y a une question qui arrive. Mickaël demande quels sont les langages qui sont supportés par l'opérateur SDK.
J'en parle juste après. Donc, j'ai un petit focus justement sur les langages supportés et les évolutions que l'opérateur SDK a connues sur la dernière version. Et une deuxième question qui arrive, qui est quelle est la différence, question posée par Théo, quelle est la différence entre un opérateur et un chart Helm? Je crois que j'ai un slide qui y répond, mais de manière assez synthétique. On va dire que le chart Helm est une première étape vers l'industrialisation des déploiements de solutions conteneurisées. Donc, l'objectif des charts Helm, c'était de faciliter, un, l'installation et les mises à jour des solutions. Mais un chart Helm en tant que tel ne permet pas, par exemple, de gérer la résilience ou toute l'intelligence liée à la solution même qui est déployée par le chart. Donc, ça, ce sont des choses que l'opérateur va apporter en complément. Donc, pour faire simple, le chart Helm va permettre de déployer des ressources statiques. Il va permettre de faire des montées de version, mais on n'a pas cette connaissance propre à chaque solution. Par exemple, une base de données qu'on souhaite clusteriser, dans le chart Helm, on n'aura pas cette intelligence-là, à moins que dans le chart Helm, on déploie éventuellement des composants d'un opérateur ou ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est clair. Si ce n'est pas clair, on essaiera de revenir là-dessus. Mais voilà, disons que l'opérateur va beaucoup plus loin que la notion de chart Helm pour apporter cette notion de continuité de service, de résilience, d'observabilité, donc le metering et le monitoring des solutions, etc. Alors, très rapidement, ça, c'est le travail qu'on fait chez Red Hat. Donc, il y a les opérateurs communautaires. Ensuite, au niveau d'OpenShift, on va travailler avec les différents fournisseurs de solutions pour certifier leurs solutions sur OpenShift et les fournir dans une marketplace privée accessible aux clients Red Hat. Donc, l'opérateur SDK, donc ça, c'est pour répondre à la fameuse question. Donc, l'opérateur SDK a été créé avec trois langages en target. Donc, le premier point, c'était de faciliter la transformation de charts Helm en opérateur. Donc, vous avez un chart Helm existant, vous voulez l'encapsuler dans un opérateur pour faciliter son déploiement et y rajouter quelques briques autour. Donc, on a une partie qui permet de bootstrapper et de transformer un chart Helm en opérateur. Bon, ça, c'est, on va dire que la valeur ajoutée, elle n'était pas incroyable. Ça nous permettait, nous, dans un premier temps, quand OpenShift ne supportait pas les charts Helm nativement, de bénéficier malgré tout de l'écosystème des charts. Mais aujourd'hui, OpenShift permet de déployer des charts Helm 3 nativement. Donc, je pense que cette partie-là est un peu moins utilisée. Le deuxième langage supporté, c'est Ansible. Je donnerai des exemples pour expliquer comment ça fonctionne. L'objectif, c'est de s'appuyer sur la communauté Ansible et le savoir-faire des exploitants qui ne sont pas tous forcément des codeurs experts en Go. Go, ben, ça demande quand même un certain niveau d'expertise pour pouvoir développer. Il faut être finalement codeur quelque part. Et donc, on s'est dit, pourquoi ne pas s'appuyer sur l'écosystème Ansible et faire en sorte qu'on puisse faire de l'automatisation avec des playbooks Ansible, donc dans des opérateurs. J'en parlerai un peu plus en détail. Et finalement, l'opérateur Go SDK qui permet d'aller beaucoup plus loin en termes de customisation, en termes de comportement très, très spécifique, etc. Donc, dans l'opérateur opérateur maturity model, donc ça, c'est quelque chose qui est partagé upstream. Tous les opérateurs vont vous dire s'ils sont conformes au niveau 1, 2, 3, 4, 5. Et grosso modo, le niveau 1, c'est les installs basiques plus un semblant d'upgrade, donc ce qu'on va retrouver avec du Helm. Et les phases 2, 3, 4 et 5, ben c'est des mises à jour un peu plus intelligentes, la notion de cycle de vie complet avec backup, résilience, etc. La phase 4, c'est le fait de pouvoir exploiter des métriques, remonter des métriques, gérer des logs, etc. Et la dernière étape, donc c'est vraiment l'étape ultime. Alors, je n'ai pas regardé l'opérateur qui sera présenté tout à l'heure, mais voilà, je pense qu'ils nous diront quel niveau
d'implémentation ils ont atteint. Et donc, ça, on peut l'avoir en Ansible ou en Go, et évidemment avec beaucoup plus de possibilités en Go. Donc, quelques exemples. Donc, opérateur SDK, c'est une ligne de commande. Par exemple, on va dire, tiens, je veux transformer le chart Helm Tomcat en opérateur. Et donc, cette ligne de commande-là va nous générer tous les éléments nécessaires pour pouvoir créer l'opérateur, le pousser dans une registrie et l'utiliser. Bon, sans forcément rentrer. Il me reste combien de temps ? J'avoue ne pas avoir regardé. Attends, je regarde juste quelle heure il est là. On a commencé à. Il te reste une dizaine de minutes. D'accord, parfait. Donc donc l'objectif du SDK, c'est vraiment de générer tous les éléments dont on va avoir besoin pour pouvoir utiliser l'opérateur. Donc là, on va rentrer dans un peu plus de détails pour l'opérateur, enfin pour le SDK Ansible. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre un petit peu d'intelligence avec des playbooks, et on va mapper ces playbooks-là à certains événements. Donc ici, en fait, vous allez avoir votre custom resource definition. Donc vous allez définir les objets que vous voulez gérer avec votre opérateur Ansible, et vous allez faire un mapping entre certains événements et les rôles associés que vous aurez écrits. Donc exemple, vous allez créer un rôle qui s'appelle main, dont l'objectif va être de déployer l'application. Et donc vous allez faire un mapping en disant, lorsque je crée une ressource de type memcached, ça c'est un exemple, il y a tout un tas de tutoriels que vous pouvez suivre sur learn.openshift.com sur comment écrire ou comment développer des opérateurs avec CSDK. Je vous enverrai les liens par la suite. Et donc là, vous allez dire, quand je crée un objet de type memcached, voici le playbook à exécuter. Et donc, c'est dans le playbook-là que vous allez mettre toute l'intelligence pour pouvoir instancier la solution. Donc, ça, c'est le principe de fonctionnement. Le SDK Go, évidemment, permet d'aller beaucoup plus loin puisque c'est vraiment du code où vous allez gérer de manière très programmatique ce que vous souhaitez réaliser. Donc, par exemple, vous dites, si le nombre de réplicas n'est pas celui qui est instancié, il faut corriger ça en déroulant telles actions. Et donc là, ça va être du code que vous allez écrire pour pouvoir atteindre l'état désiré. Et donc, l'objectif du SDK, c'est de vous générer tout le boilerplate, tout le code pour démarrer, pour que vous n'ayez à vous focusser finalement que sur ce code-là qui vous intéresse. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, il y a eu des évolutions. Donc, nous, on a travaillé de notre côté sur l'opérateur framework. Et il y a eu d'autres projets qui sont apparus entre-temps pour faciliter la création d'opérateurs, dont un projet assez connu qui s'appelle Cube Builder, qui permet de créer des opérateurs Go. Et donc, on a travaillé. Là, aujourd'hui, quand je vous disais que l'opérateur framework est passé en incubation, donc c'est la version 1.0, on a adopté certaines bonnes pratiques et certains standards, finalement, du projet Cube Builder. Notamment, alors, on utilise la notion de contrôleur runtime, donc, qui sont des bibliothèques Go pour faciliter l'écriture des contrôleurs. Mais on a aussi, par exemple, adopté le layout, le scaffolding des projets standard de Cube Builder, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'opérateur SDK est compatible avec des opérateurs qui seraient écrits en Cube Builder. Et donc, nous, en fait, on fournit tout un ensemble de fonctions qui ne sont pas fournies par le Cube Builder. Donc, le fait de s'intégrer avec l'OLM, le fait de s'interfacer nativement avec l'interface d'OpenShift, par exemple, qui est une interface graphique dont je parlerai tout à l'heure, etc. Donc, on peut en fait s'appuyer en back-office
sur les primitives de Cube Builder et bénéficier de tout ce que l'opérateur framework apporte en plus. Donc, pré-version 1.0. Ouais, oui. Il y a une question, Jafar, juste par rapport à Ansible précédemment. Oui. Je ne suis pas sûr de comprendre totalement la question, mais tu me donneras des précisions peut-être plus liées. C'est en gros qu'apporte Ansible par rapport à une déclaration, on va dire, lambda d'un objet avec l'image et l'objet que tu auras dans. Enfin, ce que tu as en plus par rapport à la description de l'image. Bah, déjà, vous avez tout l'écosystème Galaxy, par exemple Ansible, où vous allez pouvoir finalement écrire le playbook en disant voilà exactement ce qui doit être réalisé, là où l'instanciation d'une image, c'est quelque chose de statique. Donc, l'instanciation va vous permettre de déployer des ressources. Le playbook Ansible va vous permettre de faire des choses dynamiques. Par exemple, vous pouvez très bien appeler une API REST pour, une fois que vous avez déployé votre solution, aller enrichir une CMDB. Je dis n'importe quoi, mais vous avez instancié une instance de votre solution. Vous allez quelque part appeler un outil de monitoring pour le configurer, pour qu'il vienne monitorer cet élément que vous avez déployé. Ou voilà, vous pouvez implémenter des automatismes que vous ne pourriez pas instancier si vous déclariez simplement des ressources statiques. Et tout l'intérêt d'utiliser Ansible versus du Bash, c'est que vous avez tout un ensemble de playbooks existants pour gérer tout un ensemble de choses. Par exemple, vous avez besoin de vous interfacer avec un firewall pour une raison quelconque, parce que votre solution a besoin d'ouvrir un port quelque part. On peut imaginer que ce soit écrit dans le playbook et que ça aille faire un appel à l'API de votre firewall ou n'importe quoi, où vous avez besoin de provisionner du stockage quelque part, etc., etc. Donc, c'est tout l'intérêt de leverager l'écosystème Ansible. Encore une question, désolé, avant que tu reprennes. Oui, non, mais tant mieux, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Ouais, une question de Michael encore. En gros, est-ce que tu penses qu'à terme, les opérateurs sont amenés à remplacer Helm, car ça gère beaucoup plus de choses. Ça fait beaucoup plus de choses que Helm, mais ça déploie des applications. Je ne sais pas si ça va les remplacer. Moi, je pense que ce sont deux choses qui sont complémentaires. On n'a pas forcément besoin d'écrire des opérateurs. On n'a pas forcément besoin d'avoir des opérateurs pour tous les types de solutions. Typiquement, si on est sur une solution qui est stateless et qui est simple à installer, dont la mise à jour consiste à simplement changer la version d'image et tout se passe dans le meilleur des mondes, il n'y a aucun intérêt à écrire un opérateur, ni pour vous, ni pour l'éditeur de la solution. Si, en revanche, il y a besoin d'avoir des choses un peu plus évoluées, comme tous ces contrôles spécifiques dont je parlais, ben là, l'écosystème des opérateurs apporte tous ces aspects-là. Un autre aspect qui est important aussi, c'est la notion de functional testing. Donc, avec l'opérateur framework et avec Cube Builder également, il y a cette notion d'automatiser les tests pour voir comment notre solution va réagir quand on va faire du scale-up, du scale-down, des montées de version, etc. Et donc, ça, c'est des choses qu'on ne va pas forcément avoir quand on va écrire notre charte. Et donc, voilà, la nouvelle, pour ceux qui suivent un petit peu cet opérateur SDK, c'est que désormais, on est en version 1.0 et on a un Cube Builder Wrapper qui permet finalement de ne pas avoir deux mondes qui sont complètement étanches. Le SDK gère nativement peut gérer nativement des opérateurs basés sur Cube Builder lorsqu'on écrit des opérateurs en Go. On va aller un peu plus loin. Donc ça, c'était pour la partie test, pour faire des scorecards qui vont nous permettre de valider le niveau, on va dire, fonctionnel de notre opérateur. Et donc, il y a une solution qui s'appelle Cuttle. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Je pense que c'est Cuttle,
Donc c'est un plugin à kubectl, du coup, kubectl, qui permet de faire ces tests fonctionnels et d'avoir ces scorecards. Et donc l'opérateur SDK est compatible, du coup, avec cet outil de test. Dernier élément dont je voulais vous parler, donc c'est l'opérateur Lifecycle Manager. Et donc ça, c'est un élément que Red Hat a créé et qu'on a poussé côté upstream, côté Kubernetes. Alors juste pour la petite parenthèse, donc Red Hat est le deuxième développeur de Kubernetes, deuxième contributeur en termes de code à Kubernetes. Donc OpenShift, c'est certes une plateforme, mais on a énormément investi côté upstream. On a énormément d'ingénieurs qui sont très, très connus dans l'upstream Kubernetes, dont notamment Clayton Coleman, qui est un des architectes clés de Kubernetes. Donc, on a poussé upstream ce composant qui s'appelle l'opérateur Lifecycle Manager, dont l'objectif est de fournir une espèce de panel, control plane, pour pouvoir gérer les opérateurs, gérer leur cycle de vie, les installer, les supprimer, donner des droits d'utilisation, etc. Et donc, on a, on va dire, trois utilisateurs de cette OLM. Donc, on a les personnes qui vont écrire des opérateurs, donc qui vont pousser l'opérateur dans un catalogue, etc. On a les cluster admin qui vont installer des opérateurs, qui vont gérer les mises à jour, qui vont donner les droits d'utilisation aux utilisateurs dans certains projets, etc. Et finalement, on a l'utilisateur final, qui est par exemple votre développeur qui veut instancier une base Couchbase et qui va utiliser un opérateur Couchbase ou qui va utiliser une registrie Arbor, etc. Et donc, l'OLM fournit des fonctionnalités à chacune de ces personnes. Une des évolutions qu'on a faites, c'est qu'auparavant, il y avait tout un tas d'objets, de fichiers qu'il fallait créer pour pouvoir gérer ça. Aujourd'hui, ça a été bundlé dans un seul concept qui s'appelle la notion d'opérateur. Donc, ça simplifie l'API de l'opérateur framework lui-même. L'opérateur, l'OLM, permet de gérer les dépendances. Donc, imaginons que vous ayez une solution qui ait besoin de Prometheus, par exemple. Vous allez déclarer une dépendance entre votre opérateur et Prometheus telle version. Et à chaque fois que vous allez déployer votre version d'opérateur, il va tirer automatiquement toutes les dépendances selon ce qui a été spécifié dans les ressources YAML. Donc ça, c'est extrêmement pratique pour pouvoir avoir un groupe d'opérateurs qui s'installent de manière cohérente en fonction, comme quand vous déclarez des dépendances de vos packages Node.js, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, ce que ça permet de faire aussi, c'est qu'on va pouvoir gérer les upgrades d'opérateurs. Typiquement, vous avez sorti votre opérateur version 1.2. Vous avez une version 1.3 que vous voulez mettre à disposition de vos utilisateurs. L'OLM va vous permettre de gérer le cycle de vie en disant, est-ce que vous voulez automatiquement mettre à jour l'opérateur qui est installé dans le cluster? Est-ce que vous voulez que ce soit soumis à une approbation, etc., etc. Et ça permet également de gérer, par exemple, tout ce qui est versioning, tout ce qui est Zstream, pour pouvoir gérer des versions mineures et ce genre de choses. Pour finir, donc en deux minutes, donc ça, c'est tout ce qui est fait côté upstream par Red Hat en fournissant cet opérateur framework. Et concrètement, comment est-ce que nous, on applique ça et comment est-ce qu'on l'utilise? Donc, OpenShift, ce n'est pas juste Kubernetes, c'est tout un ensemble de fonctionnalités. On a par exemple nativement un OS qui vient avec, qui est Red Hat CoreOS. On a tout un ensemble de services de monitoring, de registries, de gestion de logs, tels que la plateforme donc EFK, Elasticsearch, FluentD, Kibana, Prometheus, Grafana. On a du service mesh avec Istio, Kiali et tout un tas de composants qui viennent s'installer sur OpenShift. Plus tous les services natifs de la plateforme, tels que la notion d'ingress, les,
les opérateurs qui vont gérer les nœuds, par exemple, la scalabilité des nœuds pour faire de l'autoscaling, etc. Typiquement, quand on installe OpenShift sur un AWS ou un cloud provider, on a un opérateur qui va gérer l'infrastructure et qui va permettre de créer des VM automatiquement quand on va demander plus d'instances ou qui va permettre de faire de l'autoscaling, etc., etc. Donc, tout ça, c'est au cœur de la plateforme et tous ces éléments-là sont implémentés par des opérateurs. Donc, finalement, on applique, on va dire, l'état de l'art Kubernetes à la plateforme OpenShift elle-même. Et donc, on a aujourd'hui, il me semble, 27 opérateurs qui sont très spécifiques. Donc, par exemple, on a un opérateur qui va gérer le networking, un opérateur qui va gérer le TCD qui est embarqué, un opérateur qui va gérer l'ingress, un autre qui va gérer le Kube API Server. Et donc, tout ce que ça permet d'avoir, tout ça, c'est que chaque opérateur a l'intelligence nécessaire pour faire en sorte que le service, un, soit résilient et soit simple à mettre à jour. Donc, on a parlé des upgrades comme étant une des fonctionnalités facilitées par les opérateurs. Et donc, en fait, nos équipes de développement ont chacune écrit tout un ensemble de lignes de code pour automatiser la mise à jour du composant, ce qui fait que quand vous faites un upgrade d'un OpenShift, d'un cluster OpenShift, tout ça se déroule en fond de tâche, vous avez une continuité de service et ça devient une opération extrêmement… ça devient un non-événement. On a beaucoup de clients qui sont passés d'OpenShift 3 à 4 qui ont dit que c'était un des grands atouts de cette nouvelle version, c'était justement cette notion de montée de version simplifiée, automatisée, etc. Et donc, au-delà de ça, on fournit toute une expérience utilisateur beaucoup plus simple que sur Kubernetes, puisque au lieu de travailler avec de la ligne de commande kubectl, etc., on a tout un ensemble d'interfaces graphiques qui permettent de mettre à disposition les opérateurs, à disposition des utilisateurs, d'instancier les custom ressources directement. Ici, par exemple, on a un opérateur Kafka par Red Hat. Et donc, directement, votre développeur va accéder à un catalogue de services et il va instancier son cluster Kafka directement depuis l'interface. Et on va lui fournir tout un ensemble de composants qui permettent d'activer ou de désactiver certaines options dans l'opérateur au lieu d'aller modifier des fichiers YAML, par exemple. Typiquement, vous voulez déployer votre solution en TLS, on va avoir un switch qui dit est-ce que vous déployez en mode sécurisé ou pas. Si vous l'activez, donc vous faites un switch, il va déployer en mode TLS. Si vous le désactivez, il va redéployer l'opérateur pour désactiver le TLS, par exemple. Et donc, tout ça, vous le faites depuis l'interface graphique et c'est beaucoup plus simple à gérer que depuis un fichier YAML. L'autre avantage, c'est que il faut connaître toutes les options possibles pour pouvoir gérer ça dans un fichier YAML. Alors que là, on vous présente une interface graphique avec des options, des checkbox, des textbox, etc. Voilà pour les opérateurs, ce que c'est, comment ça marche, comment les développer et comment Red Hat les utilise à bon escient dans la plateforme OpenShift. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas trop débordé. Non, merci. En tout cas, super présentation, Jaffar. On a une dernière question. Oui. Attends, je le reprends. Peut-on gérer les dépendances open source au niveau compliance security de Stéphane Montry. Stéphane Montry. C'est une question de Stéphane. C'est pas quelqu'un d'IBM que je connaîtrais par hasard. Je n'ai pas très bien compris la question. Est-ce que c'est la notion de scan de vulnérabilité dont vous parlez? Alors, attendez. Je vais essayer de lire la question vu que je peux repasser sur le chat. Alors. Non, c'est pas là. Alors, Stéphane, bonjour Stéphane. Alors, peut-on gérer les dépendances open source
Au niveau compliance, sécurité. Je suis désolé, Stéphane, je ne comprends pas très bien la question, mais… je vais lui donner la parole, c'est pas grave. Je vais essayer d'y répondre tant bien que mal, mais il y a… Je peux te donner la parole. Oui, voilà, ok. Stéphane, si tu peux peut-être reformuler la question. Oui, merci. Oui, bonjour, Jaffar. La question, en fait, c'était à un moment donné, tu parlais de gestion des dépendances. Et du coup, la question que je me posais, c'est est-ce qu'au travers des opérateurs, on parle souvent de dépendance au niveau de sécurité, pardon, au niveau des dépendances open source dans des applications qu'on va déployer. Et je me disais, je vous posais la question en fait, si au niveau des opérateurs, il y avait des choses particulières qui permettent d'agir au niveau sécurité sur ces dépendances open source. Alors, je vais peut-être reformuler la question, mais je pense comprendre ce à quoi tu fais référence. C'est en fait, avec les opérateurs, on va être capable d'implémenter des contrôles de sécurité et notamment en fait, dans OpenShift, on a implémenté un opérateur qui permet de faire des scans de vulnérabilité. Par exemple, quand on va déployer des nouvelles images sur la plateforme, on va automatiquement faire un scan de vulnérabilité de cette image-là pour voir si elle est potable ou non. Et on va pouvoir la flaguer comme étant propre à la consommation, mettre un certain nombre de métadatas, etc. Donc, on a justement, je crois que c'est le Security Vulnerability Scanning Operator, j'ai plus le nom exact, mais il y a effectivement quelque chose qui ressemble à ça. Et donc, on peut tout à fait écrire un opérateur custom dont le cœur de métier va être de faire de la validation au niveau de la sécurité. Okay. Et du coup, je termine avec ça. Oui, en partie, ouais. Et du coup, alors en fait, en fonction de l'outil qu'on va utiliser derrière, mais le but, c'est de pouvoir générer éventuellement un rapport de conformité, de sécurité globalement par rapport à ton application. C'est ça, okay. C'est ça. Ça marche. Donc, merci. Nous, c'est exactement ce qu'on fait dans OpenShift. On a une notion de rapport d'audit, mais typiquement, je prends NewVector. Qui sont des gens qu'on connaît, qui fournissent une solution de scan de vulnérabilité, enfin de gestion de sécurité réseau. Donc, eux vont avoir un opérateur qui va permettre de gérer les network policies et détecter s'il y a des violations de sécurité au niveau des conteneurs, si quelqu'un essaye de se connecter sur un port qui n'est pas autorisé par une policy, il va vous générer un audit, tout ce genre de choses. Donc, ça, c'est tout à fait des choses que l'éditeur qui fournit sa solution va implémenter dans son opérateur. Très bien, je vais devoir, on va devoir laisser la parole à nos amis d'OVH. Merci. Merci. On va laisser la parole à nos amis d'OVH. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci encore. Si tu pouvais arrêter merci le partage, je reste en ligne. Thank you. Ouais. Merci. Pierre, tu peux partager. À toi la parole. Ah, bonsoir à tous. Avec le micro, c'est mieux. Merci. Du coup, je vais pouvoir partager mon écran. Oui, ce soir, on va parler d'opérateurs. Effectivement, comme Jaffar l'a fait, mais on va parler particulièrement de l'opérateur Arbor, qui a une nouvelle release 1.0 cet été. C'est un assez gros morceau, je vais essayer de le découper et puis on va finir par parler un peu plus globalement des opérateurs et je vais peut-être vous conseiller par où commencer pour développer son premier opérateur. Alors, paf, partager l'écran, voilà. Vous voyez bien mon écran? Du coup, c'est Asmain plutôt que je parle. Oui, très bien. Super, merci. Du coup, est-ce que je peux te demander, pareil, je trouvais que ça marchait assez bien, tu m'interromps de temps en temps quand il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Pas de souci. En fait, voilà, je suis là pour ça. Ouais. On est trois de l'organisation présent, donc on va intervenir tous les trois pour te poser des questions. Eh ben, pas de souci, n'hésitez pas. Donc, du coup, je me présente, Pierre Perronnet, je travaille chez OVH depuis 4 ans, un peu plus maintenant. Je travaille sur Kubernetes chez OVH depuis 3 ans à peu près.
Et puis, du coup, j'ai rejoint l'équipe Cube et je me suis concentré depuis un peu plus d'un an sur le produit Registry, qui est le début de cette histoire magique de l'opérateur Arbor. Alors, l'origine du projet Manage Private Registry, c'est comme ça qu'on l'a appelé au sein d'OVH. Manage Private Registry, qu'est-ce que c'est? C'est pour les nouveaux clients OVH, mais pas que, c'est un nouveau service. On voudrait en premier s'adresser aux clients actuels Kubernetes d'OVH. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez votre cluster, on pense que vous seriez intéressé pour avoir une registry privée. Et on espère avoir quelque chose de compétitif et avec plein de features qui vont vous séduire. J'ai listé les quelques features. On parle de stocker des images Docker, ça paraît évident. On parle de achat et de scalable. On parle de gérer les airbags de nos utilisateurs. Role-based access control, donc vous pourriez créer vos utilisateurs et gérer les accès à chacune de vos projets, chacun de vos images. On parle de pouvoir aussi stocker les charts Helm. Ensuite, c'était un peu du bonus, la charte Helm. On se posait la question, est-ce que oui ou non? On aurait aimé le scan de vulnérabilité aussi. On ne savait pas à l'époque si on allait le proposer à nos clients. Et puis, signer des images. Parce que Jafar a bien parlé de scanner les images, mais j'imagine que chez OpenShift, ils ont le même principe, c'est de certifier la provenance de l'image. Donc, pourquoi pas proposer ça à nos clients, certifier que l'image vient bien d'un endroit en particulier. On a regardé sur le marché ce qui existait. On a évidemment regardé la registry Docker native. On a vu qu'il manquait plein de features. Le plus simple, c'est que ça gère que des images Docker. Donc, tout le reste, on pouvait l'oublier avec ce produit. Ensuite, on a eu deux produits qui ont été mis en avant, qu'on a trouvé assez rapidement et qui avaient l'air prometteurs. C'était Portus à droite et Arbor à gauche. On s'est posé la question, puis finalement, à l'époque, on avait regardé du coup le nombre de l'activité finalement, les contributions qui étaient sur ces différents projets, et on avait choisi Arbor. Alors pour les plus attentifs, hein, j'ai bien dit à l'époque, puisque ces chiffres-là de Star et de Fork, bah, finalement c'est un peu périmé, mais je vous ai gardé les chiffres de l'époque, voilà, pour faire les choses bien et vous montrer qu'on avait choisi ça plutôt par activité du projet, quoi, par le fait qu'il soit plus vivant. Donc on est parti sur le projet Arbor. Ok. Arbor, bah, c'est bien, on sait le déployer. À l'époque, il y avait le début d'une charte Helm. Donc Jafar a bien expliqué la différence entre une charte Helm et un opérateur. Donc on était content, on savait déployer notre Arbor. Arbor, c'est quoi? Bah, c'est un ensemble de conteneurs. Quand on déploie la charte Helm, on va déployer finalement la registry Docker native. On va déployer une UI, un scan de vulnérabilité, on va déployer un chart museum, on va déployer tout plein de composants différents qui sont tous des pods différents. Il y a un petit modulo, c'est que la registry embarque deux conteneurs dans son pod, mais sinon ils sont tous séparés dans des pods différents. Donc c'est un ensemble de conteneurs. C'est bien, c'est facile à gérer. Le problème, c'est que comme chez OVH, quand on arrive à avoir plusieurs registries, je vous ai expliqué au début qu'on voulait proposer un Arbor pour nos clients. Ça voulait dire une stack entière Arbor pour chacun de nos clients. Aujourd'hui, on a des centaines de clients. Vous imaginez que gérer des centaines de stacks à la main, c'est un peu compliqué. Finalement, c'est pour ça qu'on a eu le besoin d'un opérateur. C'est parce que les charts Helm, ça ne faisait pas office d'API. On ne peut pas déployer une charte Helm en API. En tout cas, peut-être que maintenant il y a des outils qui existent, mais à l'époque ça ne se faisait pas. Et on a décidé de partir sur un opérateur qui était largement fait pour ça. Jafar l'a expliqué. Il a parlé de la control loop. Donc moi j'ai tenté la traduction, la boucle de réconciliation. Le principe d'un opérateur est assez simple. Il l'avait expliqué, c'est réconcilier l'état d'un objet. Le client arrive sur OVH, sur OVH.com, il appuie sur un bouton et demande une stack Arbor. Ça fait un code API chez nous et ça demande finalement une ressource, ça insère une ressource dans notre Kubernetes qui nous dit « je veux un Arbor ». À ce moment-là, l'opérateur va se mettre en marche et déployer la stack Arbor.
La boucle de réconciliation, finalement, elle a l'air simple et elle n'a qu'un seul truc à faire, c'est déployer la stack Arbor. Dans l'absolu, elle pourrait faire des helm install, ça fonctionnerait. Mis à part que, bon, réconcilier l'état, si un jour il veut rajouter Trivi, par exemple, Trivi, enfin, voilà, j'en parlerai pour ceux que ça intéresse, mais s'il y en a qui veulent rajouter un composant en cours de route, bah, faut savoir le gérer avec Helm, mais c'est largement faisable. Donc la boucle de réconciliation, c'est quelque chose de très simple, mais ici, on parle d'une stack entière qui peut être finalement un peu compliquée, puisqu'on parle d'une dizaine de pods. Donc comment réconcilier une dizaine de pods finalement quand on crée une nouvelle ressource Arbor. Donc sous le capot, qu'est-ce qu'on a? On a un opérateur qui est construit. Donc Jafar, on l'a parlé à plusieurs reprises, et j'arrive après lui. Donc bah, malheureusement, enfin heureusement, ou au contraire, je ne sais pas, mais il m'a piqué pas mal du discours de mes slides. Et on va reparler de QBuilder qui m'a permis de générer des contrôleurs et des ressources. Quand je parle de ressources, finalement, on verra après, je vous amènerai un petit peu dans le code Go. C'est les structures Go qui définissent l'API de Kubernetes. À partir des structures Go, on utilise ControllerGen pour générer nos CRD. Le CRD, cette fois, c'est l'étape d'après qui est le YAML. Donc à partir d'une structure Go, on génère le YAML qu'on va donner à Kubernetes pour créer des nouveaux endpoints, créer des nouvelles ressources, créer des nouvelles API, finalement. On utilise Customize. Je ne sais pas si quelques personnes d'entre vous utilisent Customize. Bon, à distance, c'est difficile de poser des questions, mais voilà. Customize, on l'utilise pour notamment générer du sample. Ça nous parle le projet. Deux secondes, il faut que je m'écarte, désolé. Quand on arrive sur le projet, du coup, on peut facilement lancer quelques commandes. Par exemple, on fait un make sample, ça déploie la stack Arbor entièrement à l'aide de l'opérateur. Donc c'est assez pratique, on fait pareil pour la base de données, on fait pareil pour Trivi, on fait pareil pour finalement toutes les ressources dont je vais vous parler par la suite. Customize pour les samples, chouette. On a évidemment compris que l'intérêt de l'opérateur, c'est qu'il soit adopté par plusieurs personnes, par plein de personnes, par des boîtes plus ou moins grosses. Donc pour pouvoir déployer l'opérateur, on a compris qu'il fallait faire une charte Helm. Au début de la présentation, je vous parlais d'une charte Helm qui permettait de déployer Arbor. Ici, on a une charte Helm qui déploie l'opérateur d'Arbor. Donc, on utilise mdoc pour générer la doc de la charte Helm. On utilise Stringer pour générer des énumérations en Go. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelque chose de natif en Go. On utilise GoReleaser pour les changelogs et beaucoup, beaucoup de linters, puisque, comme vous le voyez, on a plein de générateurs dans tous les sens. On a beaucoup de code autogénéré. C'est pratique. Mais pour éviter les problèmes, on essaye de hardener un petit peu la qualité du code avec des linters. Ce n'est pas spécialement pour embêter les contributeurs, c'est surtout pour qu'ils ne se posent pas la question, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'il faut que, je sais pas, comment il faut que j'indente? Est-ce qu'il faut que je rajoute des nouvelles lignes? Finalement, c'est plus des aides, c'est comme ça qu'il faut le voir. On lance un petit make lint et on est heureux, ou alors on n'est pas heureux, mais au moins on sait ce qu'il faut faire. Pierre, je te coupe juste un instant parce qu'en fait, tu partages toujours la slide. Donc, je ne sais pas si vous voulez nous montrer autre chose. Sur les outils? Ouais, c'est ouais. Normal. Ah, ok. Pardon. Parce que vraiment, ouais. comme vous voyez, donc, ben, on voit assez peu de choses en fait, mais ce n'est pas grave. Je ne sais plus exactement la phrase que j'ai utilisée, mais je listais chacun des carrés de ma slide pour dire qu'effectivement, j'avais beaucoup d'outils pour générer du code. Donc effectivement, j'ai dû dire comme vous voyez, mais c'était pour parler des différents outils. Le moteur de l'opérateur. Le moteur, c'est quoi? En fait, j'ai oublié une slide. C'est un peu bête de le dire comme ça, mais du coup, je vais vous la raconter. Puisque il y avait deux versions sur notre opérateur Arbor. Il y a la version 0.5 et la version 1.0. La version 0.5, elle prenait une ressource qui s'appelait Arbor. On faisait un kubectl create arbor ou un kubectl apply de notre ressource arbor. L'opérateur prenait le relais, réconciliait la ressource arbor. C'était un bordel pas possible, puisque à partir d'une ressource arbor, il fallait créer une dizaine de déploiements, il fallait créer les services qui allaient avec, il fallait créer les persistent volumes, il fallait créer tout plein de ressources. C'était assez tentaculaire.
Finalement, dans cette nouvelle version, on a décidé de séparer en différentes ressources. C'est quelque chose qu'on aurait dû faire dès le début, mais un peu pris par le temps, on l'a repoussé à la 1.0. Séparer en différents contrôleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque contrôleur va gérer son propre life cycle et sa propre réconciliation d'objets. Donc on va avoir le contrôleur, par exemple, de la registrie, qui va s'occuper uniquement de déployer le pod de la registrie. On va avoir le contrôleur portal, pareil, c'est la UI d'Arbor qui va s'occuper uniquement de déployer ce truc-là. On va avoir le contrôleur de Arbor Core, etc., etc. En sachant que chacun a leur petite particularité. Par exemple, Arbor Core doit être exposé sur Internet ou en tout cas à travers un ingress contrôleur ou dans le réseau qu'on désire. La registrie aussi, la UI aussi, alors que Notary, en tout cas Notary Senior, il a moins besoin d'être exposé. Donc, ils ont chacun leur particularité, comment ils doivent être exposés, comment ils doivent être sécurisés. On parlait de TLS tout à l'heure, ben là, la question se repose. Quel certificat utiliser? Donc, on a un contrôleur par composant et chacun doit s'occuper de ses petits finalement. Donc, si vous voyez l'image, ça veut dire qu'on partait d'un gros sac de nœuds et on a essayé de découper ça en plusieurs contrôleurs. Donc, on a développer un nouveau moteur. Le nouveau moteur qui est capable de quoi? De mettre à jour des objets Kubernetes de manière ordonnée, mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que c'est de manière agnostique. On a un moteur qui fonctionne et pour la registrie et pour Arbor Core. On lui donne une liste de dépendances. En fait, c'est plutôt un graphe. On sait qu'on ne peut pas déployer le pod avant d'avoir créé la config map et avant d'avoir créé le secret, alors que créer le service, on peut le faire à n'importe quel moment. Donc on va avoir un graphe de dépendance et notre moteur va dérouler ce graphe de dépendance pour créer les objets dans le bon ordre et gérer leur statut. Voir si effectivement le pod a bien été déployé, si sa création a fonctionné, si son scheduling est bien passé et si finalement il est bien ready à la fin. Donc ça, c'est le premier point du moteur, c'est qu'il est capable de gérer l'ordonnancement finalement de nos objets Kubernetes. Un autre point de cette nouvelle version, c'est d'où est-ce qu'on va prendre la source de nos configurations. Puisque, par exemple quoi, où est-ce qu'on va stocker les images des registries? Les layers des registries, c'est quelque chose d'assez sensible, notamment parce que c'est des images privées, donc il peut y avoir des données métiers dedans, et aussi parce qu'il ne faut pas que ça se perde. Ce ne sont pas des choses qu'on peut forcément facilement rebuilder. En tout cas, ça dépend des images et ça dépend des entreprises. Si le CI/CD il a plus de 3 mois, peut-être que la personne n'a plus les sources sous la main ou ce genre de choses. Du coup, comment stocker les layers de la registrie? Il y a plusieurs sources de configuration. On va proposer une configuration par défaut dans l'opérateur, où lorsqu'on crée une ressource Arbor, finalement, ça va prendre cette configuration par défaut, ce qui veut dire que si on déploie 15 000 Arbor, ils vont chacun avoir la même configuration par défaut. Ça permet de mutualiser pas mal de choses. Ça permet aussi de ne pas s'embêter à la création des stacks Arbor. Mais par contre, on est aussi capable de personnaliser un peu plus. Et c'est-à-dire que quand je crée une stack Arbor, quand je crée la ressource Arbor, je peux spécifier à ce moment-là, je veux que ce soit un persistant de volume de 15 gigas, ou alors je veux que ce soit stocké sur S3 ou sur Swift ou sur différentes configurations possibles. Donc on a 2 points d'entrée pour nos configurations et ça c'est valable pour beaucoup beaucoup de choses dans Arbor. Voilà, pour ceux qui connaissent Arbor et qui ont besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à me poser des questions sur qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui n'est pas disponible, mais dans tous les cas l'objectif c'est de rendre un maximum de choses disponibles. Et puis j'ai fait le troisième point, c'est les différents types de stockage, puisque comme je viens de vous dire, l'opérateur est capable à la fois de gérer des PVC, donc qui sont dépendants des storage classes, et à la fois de gérer du stockage distant. Si on parle de S3, ça voudrait dire qu'on peut déployer notre stack Arbor chez nous dans notre cluster Kubernetes et utiliser le stockage S3 d'Amazon ou le stockage S3 chez OVH. Et ça fonctionnerait tout aussi bien.
Alors, finalement, ma slide était là. Je suis mille fois désolé pour cette erreur. Donc, les contrôleurs, je vous ai parlé d'un sac de nœuds qu'on a découpé en plusieurs contrôleurs. Un contrôleur, du coup, il réagit à notre événement et il va tenter de réconcilier le composant. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de la registrie. L'idée, c'est de réconcilier la registrie, mais à quel moment il va réconcilier la registrie? C'est évidemment quand la ressource de type registrie, quand le kind registrie.goarbor.io va être créé dans le cluster, le contrôleur va être notifié et va commencer à se mettre en marche pour déployer finalement la registrie. Ça marche pour une création, ça marche pour une suppression, ça marche pour une modification. Lorsque un de ces événements arrive sur la custom ressource, le contrôleur est notifié. Mais on va un peu plus loin, puisque le contrôleur est notifié aussi lorsqu'il y a une ressource contrôlée qui est mise à jour. Alors, c'est quoi une ressource contrôlée? Peut-être que certains l'ont déjà vu quand on fait un kubectl getpod. Kubectl getpod, on peut voir dans les métadatas du pod qu'il est contrôlé par un stateful set, par un replica set ou par un autre objet. Tous les composants qu'on déploie avec l'opérateur Arbor vont être marqués, vont être tagués comme contrôlés par la ressource Arbor. Donc si on déploie la registrie, le pod de la registrie, il va être tagué comme dépendant du replica set de la registrie, le replica set va être marqué comme dépendant du déploiement, et le déploiement va être marqué comme dépendant de la custom ressource registrie. Du coup, on a une chaîne de dépendance qui fait que si un de ces objets est modifié, on va être notifié on va être notifié automatiquement et le contrôleur va pouvoir réconcilier l'objet pour voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le pod a été déschedulé, pourquoi il va être reschedulé, etc. On a aussi des dépendances. Tout à l'heure, je vous disais, si je veux déployer une stack Arbor branchée sur S3, alors que ma config par défaut, c'est du stockage du persistant de volume, par exemple, ben c'est tout à fait possible, mais dans ce cas-là, il faut indiquer dans la ressource Arbor le nom du secret qui contient les accès à S3. Parce qu'évidemment, l'opérateur Arbor ne peut pas les avoir par défaut. Donc, il faut lui donner le username, le password, l'endpoint, etc., etc. Tout ça, ça va se trouver dans un secret cube. Et du coup, il va réconcilier tout ça. On aimerait, dans les versions à venir, pouvoir réconcilier l'objet lorsque cette ressource est modifiée. Aujourd'hui, comme elle n'est pas créée par l'opérateur, elle n'appartient pas à l'opérateur, on n'a pas d'événement là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut changer le bucket S3 sur lequel on stocke les layers, il faut modifier la ressource Arbor, c'est-à-dire ajouter un label, par exemple, suffirait à redéclencher la boucle de réconciliation et à changer le bucket sur lequel est branché la registrie. C'est une étape qu'on aimerait modifier par la suite, donc très bientôt, on ne va plus avoir besoin de faire ça. Alors, notre opérateur, il déploie une stack Arbor. C'est bien. Pour déployer une stack Arbor, il déploie plein de pods. Chacun va communiquer ensemble, notamment avec du TLS. Comment on génère les certificats pour faire communiquer nos composants? On s'est posé la question si c'est l'opérateur qui devait générer les certificats, ou si c'est quelque chose d'externe. Peut-être que certains d'entre vous connaissent Cert Manager. Donc Cert Manager, c'est un opérateur également open source. Maintenant, il est stable et bien prod ready, assez éprouvé. Le principe est assez simple, c'est on crée une ressource de type certificat, il va nous sortir un secret avec le certificat qui est dedans. Donc en fait, c'est un générateur de certificats. Je la fais un peu courte puisque on peut créer des autorités différentes, on peut créer des issueurs différents, que ce soit du Let's Encrypt ou de l'autosigné, que ce soit du Komodo ou un truc custom de chez soi. Voilà, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Mais ici, les certificats vont être générés avec Cert Manager. Ça veut dire que si on veut utiliser l'opérateur Arbor, il faut en dépendance avoir installé Cert Manager. Tout à l'heure, je vous parlais d'exposer le pod Arbor Core. Je ne vais pas rentrer dans les détails, dans les différents objectifs, le pourquoi du comment de chacun de ces pods. Si vous voulez, je vous l'explique à la fin de la présentation.
ArborCore, quoi qu'il en soit, il doit être exposé pour pouvoir être utilisé parce qu'il expose une API. Comment exposer un pod dans Kubernetes? Il y a plusieurs solutions. Évidemment, on peut créer un service de type node port. On sait qu'il est exposé sur le port du nœud. On est heureux, on peut créer un service de type load balancer. Ça va dépendre du cloud provider, ça va dépendre de votre cluster cube, si c'est supporté ou pas. Et puis, finalement, on s'est dit que pour exposer une ressource, le mieux, c'était de créer une ressource ingress. Donc, on va créer une ressource ingress pour le pod ArborCore, pour le pod pour lesquels? Pour Portal et pour ChartMuseum, je crois, de mémoire. Du coup, évidemment, pour réconcilier ces ingress, il nous faut un ingress contrôleur. Moi, je recommande l'ingress contrôleur Nginx, mais je pense que n'importe lequel peut fonctionner. Par exemple, il y en a un qui est très en vogue, c'est Traefik. Moi, je ne l'utilise pas, mais j'imagine que ça va fonctionner tout pareil. Et un troisième point, c'est les databases, puisque l'opérateur, aujourd'hui, n'est pas capable de déployer Postgres ni Redis. Je me bats un peu pour qu'il ne le supporte pas. C'est un peu bête ce que je dis, mais de la même façon que ce Cert Manager intervient dans notre opérateur pour générer des certificats, je n'ai pas envie que ce soit l'opérateur Arbor qui déploie des DB. Je ne veux pas que ce soit l'opérateur Arbor qui déploie un PG ou qui déploie un Redis. Ça amènerait beaucoup trop de poids sur l'opérateur. J'aimerais qu'il y ait un opérateur qui sorte du lot. Alors, il existe plein d'opérateurs pour gérer ce type d'objet. Il y a Crunchy Database qui gère les Postgres, si je ne dis pas de bêtises. Malheureusement, il ne s'est pas encore vraiment imposé comme un standard, donc on n'a pas fait l'intégration. Donc aujourd'hui, les DB, c'est simplement une dépendance externe. Vous utilisez l'opérateur ou le provider que vous voulez. Il faut une URL d'un PG, il faut l'URL d'un Redis. Et voilà, c'est une dépendance. Par exemple, et c'est aussi pour ça que nous, on ne l'utilise pas, mais par exemple, chez EVH, on a du PG as a service ou du Redis as a service. Le fait d'avoir ces deux services qui sont gérés par des équipes de professionnels qui sont d'astreinte, qui savent ce qu'ils font finalement, qui optimisent tout aux petits oignons, fait que nous, on n'a pas envie de le gérer. Et au contraire, on a envie de leur refiler le bébé parce que c'est les experts dans leur domaine. C'est un peu le même principe dans l'opérateur. On aimerait qu'il y ait un opérateur qui sache bien gérer les Postgres et finalement que ce ne soit pas nous qui le fassions parce qu'on a déjà fort à gérer avec tous les contrôleurs de l'opérateur. Alors, c'est bien beau. Je vous ai dit à plusieurs fois que c'était compliqué, que c'était un sac de nœuds, même si on en sort avec la nouvelle release. La question, c'est comment être serein lorsqu'on déploie l'opérateur, lorsqu'on travaille avec l'opérateur, lorsqu'on opère un Kubernetes sur lequel on a installé l'opérateur. Le premier point, quand on crée un opérateur, c'est de bien définir l'API, bien définir la CRD qu'on va créer. Pourquoi ? C'est parce qu'au moins on est certain des data, des données qu'on va manipuler. Je vais parler de code Go parce que je fais du Go, mais peu importe, dans notre code, on est certain des données qu'on manipule. On est certain que la valeur, elle peut être nulle ou elle peut ne pas être nulle, que la valeur, elle peut être négative ou pas. Ça rend lisible le code de ne pas faire des checks, savoir si la valeur est négative, et juste de croire sur parole que l'API a bien fait son travail, tout en n'excluant pas de faire un petit recover, de faire un try catch tout en haut au niveau de la boucle de réconciliation pour pas que tout pète dans tous les sens. Mais voilà, le fait d'avoir une API bien définie, au moins on sait ce qu'on manipule, on sait que le client ne va pas faire de bêtises en mettant une valeur aberrante dans un des champs, donc on commence à être serein. Le deuxième point, c'est l'observabilité. Donc Jafar en a un petit peu parlé. Moi, j'ai listé trois points. On parle de log formaté pour pouvoir facilement rechercher dedans, pour pouvoir facilement en fait chez parser nos petites colonnes. On parle de metrics qui sont exposées. Il y a encore un travail à faire là-dessus pour remonter les failures et les types de failures. Et puis, j'ai ajouté l'open tracing à tous les événements finalement internes au code. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, à chaque fois qu'on passe dans le moteur et qu'on déploie des ressources,
à chaque fois qu'on vérifie leur statut, on va envoyer un petit paquet en UDP sur un serveur Jaeger ou n'importe quel serveur qui supporte l'open tracing. Et du coup, on a quand même de l'info de ce qui se passe. En troisième point, j'ai parlé du champ status. Alors, peut-être que vous ne le savez pas, mais une ressource est décomposée en trois champs principaux. On va retrouver les metadata tout là-haut. Je parle de tout là-haut parce qu'en général, c'est comme ça que kubectl l'ordonne. Le champ metadata en premier, le champ spec en deuxième, qui va définir ce qu'on attend de l'objet. Et puis le champ status, qui est finalement peuplé par l'opérateur, par le contrôleur. Et bien ici, on fait bien attention à le mettre à jour aussi. Est-ce qu'on a réussi à créer le pod de la registrie? Ben oui, non. Dans tous les cas, on met le champ status à jour pour dire j'ai réussi ou je n'ai pas réussi. En dernier point, c'est quelque chose qui n'est pas encore implémenté, c'est pour ça que j'ai mis bientôt Sentry. Je ne sais pas si vous connaissez Sentry. Ça va nous permettre de rapporter les bugs dans une plateforme centralisée. On commence à en avoir besoin parce que simplement observer les logs et être notifié sur des patterns de logs, ce n'est pas forcément top. Pareil pour les metrics. Finalement, avoir un peu de contexte dans un bug report, c'est toujours agréable. Donc voilà, bientôt Sentry, ça nous permettra d'avoir une petite UI qui gère tout ça bien et d'être plus accessible pour tout le monde. Alors, on approche de la fin. Je vous ai présenté l'opérateur Arbor, qui est un assez gros opérateur finalement. Mais chez OVH notamment, on a travaillé sur plein de petits opérateurs. Et je les ai classés par niveau de difficulté, entre guillemets, sur par où je commencerais si je devais créer un opérateur. J'ai mis l'opérateur Arbor à la fin en rouge et un Arbor Network Hardening au début en vert. Alors même si son nom est un peu barbare, finalement c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place. L'idée c'est de sécuriser les communications de notre stack Arbor. Je vous ai dit, la stack Arbor, c'est plein de pods. Ils peuvent communiquer ensemble avec du TLS. Il y a aussi des webhooks, c'est-à-dire que lorsqu'on pousse une image Docker, la registrie Docker va pouvoir notifier une URL externe. Donc on voit qu'il y a pas mal de communications qui se font internes au cluster, mais qui peuvent être aussi faites à l'extérieur du cluster. Donc on a décidé de faire un opérateur qu'on appelait Arbor Network Hardening, qui va gérer des network policies et finalement filtrer en entrée ou en sortie les différents flux en fonction du composant et du type de requête. Alors pourquoi il est simple? Parce que c'est des ressources natives. Ici, chez nous, chez OVH, comme on crée un namespace par client, on réagit sur les événements des namespaces, mais on pourrait faire pareil sur les événements pour la ressource Arbor. Une ressource Arbor est créée, finalement je commence à intervenir et je me dis je vais créer mon network policy. C'est assez simple les namespaces parce qu'il n'y a pas de statut particulier à prendre en compte. Le namespace est créé, on sait qu'on peut directement interagir avec lui. Contrairement à la ressource Arbor, lorsqu'on crée une ressource Arbor, de manière asynchrone, la ressource Arbor peut être déployée ou pas. Du coup, on a un statut à prendre en compte qui peut être un peu plus compliqué. Donc là, on parle d'un opérateur qui est simple, puisqu'on réagit à un événement, on n'a même pas besoin de savoir dans quel état est notre événement, dans quel état est l'objet d'origine, qu'on peut commencer à déployer des ressources. Les ressources qui sont natives. Les network policies, c'est des ressources natives kube, donc on n'a même pas besoin de créer des CRD, c'est simplement, on va créer à la volée des nouvelles ressources. Finalement, c'est un petit peu comme un webhook. On va créer un network policy à chaque fois qu'il y a un namespace qui est créé. L'intérêt aussi de ce petit contrôleur, c'est qu'avec le tag dont je vous parlais tout à l'heure, le fait que le contrôleur détienne une ressource, le fait que finalement le pod appartient à un replica set, fait que quand on supprime le replica set, on va supprimer automatiquement le pod. C'est un mécanisme en fait qui est global à Kube, et donc ici quand on va créer le namespace, finalement notre network policy va être automatiquement supprimé. Voilà pourquoi c'est un opérateur relativement simple, c'est parce que tout est natif et finalement il n'y a pas beaucoup d'états à gérer. On a un autre trust opérateur
Chez OVH, on a des services qui sont qui fonctionnent avec des ban lists. Alors, il ne faut plus dire white list et black list. Alors, je vais dire ban list et je ne sais pas comment on dit, mais hello list pour dire finalement qui est-ce qui peut taper sur mon service. Par exemple, qu'est-ce qui peut taper sur mon service de PG? Qui a l'autorisation de taper sur mon PG? On va donner une liste d'IP autorisée. Ce truc-là, c'est bien, mais lorsqu'on a une flotte de Kubernetes, lorsqu'on a plein de nœuds dans tous les sens, c'est une liste d'IP qu'on n'a pas envie de gérer à la main. Et donc, on a fait un opérateur pour ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nœud qui va être ajouté dans le cluster Kubernetes, on va ajouter à notre whitelist d'IP ce nouveau nœud. Donc, c'est un état qui est assez facile à réconcilier, puisque quand on fait un événement d'un nouveau nœud, on a juste à faire un kubectl get node, on récupère la liste de toutes les IP, et à ce moment-là, on met à jour notre liste. Le petit point un peu compliqué, c'est le fait qu'on soit dépendant d'une API externe. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque l'API est tombée? Qu'est-ce qui se passe lorsque mon pod se prend un timeout ou un NS lookup qui a fail? Peu importe, lorsqu'il y a une erreur. Il y a un petit truc à gérer et du coup, un statut à gérer sur cette histoire de trust de nœud. Voilà pourquoi on parle d'un opérateur un peu plus compliqué. C'est parce que là, il faut gérer le cas où ça ne fonctionne pas avec un état un peu plus compliqué. On a un opérateur pour gérer les node pools. Tout récemment, à OVH, on a sorti les node pools. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a créé des groupes de nœuds. Nos clients peuvent nommer un groupe de nœuds et dire j'ai tous les nœuds rouges ici, tous les nœuds verts ici, tous les nœuds bleus à cet endroit-là, avec des flavors différents, c'est-à-dire une typologie de machines différentes. L'idée derrière ça, c'est qu'à terme, le client il fasse un kubectl create node. Donc, avec une commande Kubernetes, il ajoute un node dans son cluster et qu'on ait la notification qui s'installe pour réellement lui créer la VM. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, comme chez tous les cloud providers, lorsqu'on ajoute un nœud, finalement, c'est un bouton dans l'interface. Ça ne se fait pas réellement à travers l'API de Kube, ça se fait à travers l'API du cloud provider qui va injecter dans le cluster Kube le nœud. On a créé cet opérateur de node pool qui du coup va pouvoir scale, upscale et downscale nos groupes de nœuds. Il a quelques particularités. Le premier point, c'est exécuter en dehors du cluster. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La plupart des opérateurs sont déployés dans le cluster. C'est un pod du cluster, en général dans un namespace dédié, mais peu importe, qui trouve son fichier kubeconfig sur le file system, un truc qui est automatiquement généré à partir du service account. Là, on parle d'un opérateur qui va être déployé en dehors de Kube. Pourquoi? Simplement parce qu'on va gérer les node pools de nos clients. Donc, on ne veut pas que nos clients aient accès à cet opérateur-là. Pas parce qu'on a des choses à cacher, mais c'est parce que, comme n'importe qui, quand on voit un bouton rouge où il y a marqué « ne pas appuyer », on a envie d'appuyer dessus. Les clients vont faire pareil. Ils vont voir un pod qui tourne, ils vont se dire « mais c'est quoi ce pod-là? J'ai envie de le toucher. » Donc, on a envie, nous, en tant que provider, de cacher cet opérateur pour un peu plus le sécuriser et de se dire « je fais tout pareil, sauf que je suis en dehors du cluster avec mes propres accès. » On est aussi dépendant de ressources qui sont modifiées par le client. Tout à l'heure, je vous parlais de kubectl create node. Si jamais le client demande un nœud de couleur verte, dans ses specs du nœud, il va mettre couleur vert. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il demande une couleur qui n'existe pas chez OVH? S'il demande un nœud jaune et qu'on n'a pas de nœud jaune, on peut être embêté. Du coup, c'est un opérateur qui peut être un peu plus compliqué parce qu'on est dépendant de ressources qui sont modifiées par un client où vraiment on n'a pas la main dessus. En plus, c'est des specs, là je voulais simplifier avec des couleurs, mais qui peuvent être un peu plus compliqués avec une API qui est finalement pas si bien définie que ça. Tout à l'heure, le premier point que je vous disais, c'était une API bien définie. Si on arrivait à faire une API bien définie pour cet opérateur-là, on n'aurait pas de problème. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire. C'est simplement, la raison est assez simple, c'est que ça dépend des accès du client, de savoir si le client a accès à tel ou tel GPU. C'est, en fonction du type de client, on peut lui donner des GPU en,
en avance de phase. Du coup, il a accès à des machines que d'autres clients n'ont pas, et du coup, il a des API différentes. Ça serait trop compliqué à gérer de définir chacune de ces API par client. Du coup, on autorise ici n'importe quelle chaîne de caractères, n'importe quelle couleur, en lui disant, on va essayer de réconcilier ton objet, ne t'inquiète pas. Quitte par contre à mettre à jour le statut pour que finalement il se rende compte que son nœud jaune, il y a une erreur en lui disant la couleur jaune n'existe pas. Et enfin, on arrive sur le dernier opérateur, l'opérateur arbor dont je vous ai déjà parlé et peut-être même jusqu'à vous saouler. C'est un opérateur qui est beaucoup plus gros, on parle de beaucoup plus de contrôleurs, qui doivent fonctionner sur plein de topologies de clusters différentes puisqu'on fait de l'open source. Donc du coup, on faudrait que ça fonctionne chez Google, chez Amazon, chez Azure, chez Microsoft, chez OVH évidemment puisqu'on est le principal mainteneur. Du coup, ça apporte quand même quelques complications. On a aussi des ressources qui sont exposées, authentifiées avec des données qui sont sensibles. Donc voilà pourquoi il est un peu plus compliqué, c'est parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec notre opérateur. Voilà pourquoi je l'ai mis en rouge. Du coup, voilà, la présentation s'achève ici. L'idée, c'est que n'hésitez pas à venir me poser des questions, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure sur l'opérateur Arbor. C'est open source, c'est sur GitHub. On a plein de projets à venir. J'ai parlé d'intégration de Sentry. Il y a quelque chose auquel je n'ai pas encore parlé, c'est la version d'Arbor qui sont supportées. Aujourd'hui, un opérateur gère une version et l'upgrade de toutes les anciennes. C'est-à-dire que si on a un opérateur 1.2, il saura prendre n'importe quelle version antérieure, la mettre à jour pour supporter sa version actuelle. On voudrait pouvoir dire je veux un Arbor en finalement 2.0 ou je veux un Arbor en 2.1 et que ce soit le même opérateur qui gère ces deux versions. C'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas faisable. Si on déploie un opérateur, il ne fait que la version définie par l'opérateur. Voilà ce que j'entends par plusieurs versions d'Arbor. Voir si on le met dans le même identifiant, finalement les credentials de la registrie pour qu'on puisse push ou pull depuis notre cluster cube. Puisque vous le savez sans doute, hein, lorsqu'on doit pull une image d'une registrie privée, il faut lui donner les credentials pour accéder à cette registrie. Du coup, on prévoit de créer une ressource custom pour générer automatiquement ces identifiants à partir d'un arbor qu'on lui aura donné. Il y a un dernier point, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de perdre le mot de passe d'admin d'une ressource Arbor. Moi, parmi les centaines, voire les milliers de tests que j'ai fait sur mes stacks Arbor, évidemment que j'en ai perdu, à la fois volontairement et à la fois involontairement. C'est assez compliqué de retrouver un password. En fait, on ne peut pas le retrouver, c'est le principe qu'il soit chiffré en base. Du coup, j'aimerais quand même un endpoint spécifique pour que l'opérateur puisse réinitialiser le mot de passe. Réinitialiser le mot de passe, ça veut dire quoi? Ça veut dire enlever un champ spécifique dans l'ADB de Arbor. Ça veut dire vider un champ de l'ADB de Arbor. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déployer un job Kubernetes qui va faire un PSQL pour se connecter à l'ADB et finalement aller vider le bon champ au bon endroit de la bonne ligne, de la bonne table, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est bien identifié. On sait à peu près comment on va le faire. C'est pas spécialement compliqué à faire, c'est simplement que c'est aujourd'hui, je l'ai mis en quatrième point, c'est parce que c'est un peu moins prioritaire que les trois premiers, mais ça serait quand même très, très pertinent pour tous les ops. Je parle pas d'opérateurs au sens outils Kubernetes, mais je parle d'ops en termes de humains qui vont manager la plateforme. C'est quand même assez pratique d'avoir cet endpoint. On est aussi ouvert à toute proposition pour développer une nouvelle feature, donc n'hésitez pas. Alors là, c'est le petit côté marketing commercial. Offre, on a un petit voucher et on a un code où vous marquez Back to Work BTW 20 pour 2020 et vous avez 100 € offerts sur OVH. Avec 100 €, vous pouvez démarrer pas mal de machines, tester les features et démarrer peut-être l'opérateur Arbor. Donc n'hésitez pas.
Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas avec les questions, je suis ouvert. Je vous écoute. Merci, merci Pierre. Alors, on a deux questions dans la liste. La première, c'est une question de Jafar qui demandait est-ce que vous aviez prévu de faire un opérateur Quay.io chez OVH? La réponse est non, on n'a pas prévu de le faire. On a investi, je ne vais pas dire tous nos efforts, mais beaucoup d'efforts sur Arbor. On ne va pas commencer à se disperser. À voir, par contre, on est toujours en surveillance de ce qui se passe entre guillemets chez les concurrents, même si ce n'est pas vraiment le bon mot, pour essayer de standardiser et de s'aligner un peu sur comment on déploie nos ressources. En fait, je te coupe. En fait, ouais. il précise effectivement, c'est moi qui ai mal lu, c'était intégrer l'opérateur Quay.io qui existe déjà, mais l'intégrer à l'offre Cube. Ah. Bah alors, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. C'est vrai que Quay.io, c'est un produit Red Hat. Donc, Oui, oui, bah, je comprends. Mais non, on est parti chez VMware et on est en contact avec. Chez VMware. On est parti avec Arbor et on est en contact avec VMware qui sont les principaux mainteneurs d'Arbor. Maintenant, il y a de plus en plus de mainteneurs au point que la CNCF a gradué Arbor. Justement parce qu'il y a plein de mainteneurs d'origines différentes. Et la deuxième question, alors Christophe, est-ce que tu pourrais repréciser parce qu'il demande est-ce que ça utilise le cluster API? Mais alors le problème, c'est que je ne sais pas de quoi tu parlais au moment où il a posé la question. Donc si tu es toujours là, Christophe, est-ce que tu pourrais repréciser Peut-être que tu peux le démute si c'est compliqué. Écoute, Christophe, hop, si j'y arrive, non. Oui, c'est bon. Bon, vous m'entendez? On t'entend. Bonsoir. C'était pour le sujet de déploiement de notre groupe, en fait. Est-ce que ça utilise Cluster API? Alors, je suis désolé, mais je ne sais pas ce que c'est Cluster API. Du coup, Cluster API, c'est un système qui permet de formaliser le déploiement de notre groupe, de cluster et de notre groupe. Sur différentes plateformes cloud comme AWS, GKE OpenStack. Alors, ça fait une API qui va être commun à tous ces systèmes et qui permet de faire du multi-provider finalement, du cross-provider. Pour être honnête, je ne me suis pas posé la question. Ce n'est pas moi qui ai l'idée de ce projet. Par contre, j'ai fait attention à ce que les specs du NotePool correspondent à ceux de Google. Du coup, je ne peux pas dire qu'on est compatible ou que c'était basé sur, mais en tout cas, a priori, il n'y a pas grand-chose à faire pour que ce le soit. Je poserai la question. Et bah, si tu veux, je pourrais prendre ton mail pour t'apporter la réponse par mail. Mais sinon, tu devrais voir ça passer dans des blog posts OVH si on rajoute cette feature et si ce n'est pas déjà le cas. Merci. Il n'y a pas de souci. Alors, est-ce qu'on a encore des questions si vous avez... Si... Oh, pardon Pierre, je crois que je t'ai mute. Je ne sais pas d'ailleurs. Oui, c'est bon. Ah, désolé. est-ce qu'il y a encore des questions? Et dans ces cas-là, n'hésitez pas à les poster dans le chat. Jafar qui précise, si vous ne regardez pas le chat, qui dit que OpenShift 4 utilise la cluster API pour scaler les nodes sur les différents cloud providers. Petite précision. Moi, je peux rajouter 2-3 petites infos. On va se mettre sur opérateur hub. On va renforcer un peu notre charte Helm aussi pour que ce soit plus facile d'accès. L'idée, c'est qu'il y ait le maximum de personnes qui puissent l'utiliser à la fois pour une seule registrie pour pas qu'ils s'embêtent finalement à opérer la registrie. Ben, ils installent l'opérateur et ça va être opéré tout seul. Et à la fois pour, comme chez nous, comme chez OVH, pour gérer des centaines et des centaines de registries, finalement, ça supportera le scale, donc on ne se posera même pas la question. Il faut vraiment que ça convienne à tout le monde, cet opérateur-là. Et une dernière question, une question de Can qui demande si tu as un avis sur Kudos. Alors, je pense que c'est le Kubernetes Universal Declarative Operator.
Je me suis penché sur le truc, mais sincèrement, je n'ai pas eu le temps de vraiment creuser le truc. Ça a l'air d'être une assez grosse machinerie. Je pense qu'il faut du temps pour s'imprégner de ce projet-là. J'ai des velléités de m'y intégrer. Simplement, voilà, laissez-moi revenir de vacances du mois d'août et je me pencherai sur la question. Et puis une dernière question de Jafar qui demande s'il y a un guidebook qui est prévu, la rédaction d'un guidebook qui est prévu. À propos des opérateurs ou de l'opérateur Harbor? Ou peut-être de Harbor, je ne sais pas, Jafar, si tu peux peut-être préciser. Si je te retrouve, attends, peut-être que je peux te trouver, te démute. Oui, merci beaucoup, Smaïn. Donc, effectivement, la question, c'était… c'est un super retour avec pas mal d'éléments techniques, etc. Donc, on voit que vous avez bien bossé le sujet. Et je me demandais si vous avez prévu d'écrire une espèce de guidebook, quelqu'un qui veut démarrer, en gros, comment écrire un opérateur 101, voilà ce qu'il faut faire, voilà les trucs qu'il faut éviter, etc. Quoi. Je sais que ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps. Déjà, la documentation, c'est pas trop mon fort, mais ouais, on me demande à la fois en interne d'écrire ce genre de choses. Moi, je suis plutôt oral et j'aime bien les meet-up physiques. Donc là, le fait qu'ils soient déjà virtuels, ça m'embête un peu. Alors, écrire du code pour encore plus de virtuel, enfin des books pour encore plus de virtuel, c'est pas mon dada, mais c'est demandé et je pense que je vais le faire. Oui. Voilà. D'accord. Ok. c'est honnête, hein, mais je préfère voir les gens en face à face. C'est la communication passe beaucoup mieux, je trouve. Voilà. Très bien. Merci pour le retour d'expérience. Avec plaisir. Si on peut faire avancer et prospérer la communauté Cube, c'est bon pour tout le monde, je pense. Très bien, merci, merci beaucoup, merci à tous. Robin qui pose une question et je vais lui répondre directement. Oui, la présentation a été enregistrée et donc il faut encore qu'on voit comment on la publie, mais probablement sur YouTube. On verra ça dans les tout prochains jours, donc il n'y a pas de souci si vous avez raté le début. Écoutez, vu que c'était la dernière question, on a un petit peu dépassé par rapport à l'horaire, mais on découvre un peu nous aussi hein, les meet-up online. Merci à tous, merci aux speakers, merci Pierre, merci Jafar pour les deux présentations que vous avez faites. Merci aux participants qui étaient nombreux. Malgré l'heure, c'était un petit peu tôt pour certaines personnes. Il y a des gens qui sont arrivés un peu plus tard. C'est pour ça que, de toute façon, comme je dis, c'est enregistré, donc il n'y a pas de suite de ce côté-là. Smaïn a dû partir, mais on a Stan aussi qui est du meet-up. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on clôture? Non, rien de particulier. Bien, très bien. Eh bien, merci encore, merci à tous, et puis on vous souhaite une très bonne soirée. En espérant vous retrouver, ou virtuellement ou physiquement, parce que c'est vrai que c'est sympa aussi de se voir en vrai. Pour l'instant, ça va être un petit peu compliqué, malheureusement. Je pense que le plus difficile, en fait, ça va être de trouver des lieux, en fait, des partenaires qui sont prêts à nous accueillir, parce que c'est, je pense, le plus compliqué. Mais on va essayer de maintenir quand même ces meet-up online, même si c'est effectivement pas ce qui est plus, c'est pas l'idéal. Mais je pense que c'est quand même bien. Bien, merci beaucoup. Une très bonne soirée à tous. Et puis, à très bientôt. Merci pour le accueil. On vous tiendra au courant de toute façon sur meetup.com pour l'instant, puis ensuite sur la plateforme de la CNCF. Merci. Au revoir. Très bonne soirée.